Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau papa. Aujourd'hui, nous allons faire un poncho très aérien. La laine, c'est de la 4-5 d'un discounter que vous connaissez tous et le crochet, c'est un numéro 4. Donc, on va commencer par faire 8 mailles chaînettes. Et c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là maintenant, nous allons venir ici et on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On en fait 2 supplémentaires. 1 et 2. Et là, on va venir faire une bride dans la maille suivante. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Une bride dans la maille suivante. Une et 2 mailles en l'air, une bride dans la maille suivante. Une, 2 et une bride dans la maille suivante et on continue comme ça jusqu'à avoir 8 brides et donc 8 espaces. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc quand nous arrivons en fin de rang, ici nous allons faire notre maille coulée et effectivement nous avons bien 8 brides et 8 espaces. Alors on continue. Maintenant, nous allons venir faire ici une maille coulée et nous allons faire 3 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Allez, on se retrouve en fin de rang. Donc à la fin du rang, bien évidemment, vous finissez par une maille coulée. Voilà, nous allons donc à présent entamer le rang numéro 3. Le premier ne comptant pas vu que ce sont les mailles chaînettes. On va venir faire des mailles coulées jusqu'à arriver dans cet espace. Donc une fois que vous êtes dans l'espace, vous allez faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, vous faites une triple bride dans le même espace. Donc, 1, 2, 3, et voilà votre triple bride. Maintenant, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace d'après, vous faites une triple bride. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une triple bride. 1, 2, 3. Là, vous allez faire 4 mailles en l'air de séparation. Et vous recommencez le motif. 1, 2, 3, triple bride. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et une triple bride. 1, 2, 3. 4 mailles en l'air de séparation. Et vous recommencez comme ça le motif jusqu'ici. Allez, on se retrouve ici. Lorsque vous arrivez à la fin du rang, vous venez bien piquer en laissant 3 mailles ici, hein. Voilà, et là vous faites votre maille coulée. Donc voilà où nous en sommes.
Lorsque vous êtes à présent dans cet espace, vous allez faire une, deux mailles en l'air. Ici, vous allez faire une bride, deux brides, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. On passe dans l'espace à côté et on fait deux brides, une. Ah, excusez-moi, j'ai oublié la maille de séparation. Ici, on fait une maille pour séparer les motifs. Donc ici, on fait deux brides, une, deux, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Une maille de séparation. Et on continue comme ça, sur tous les, dans tous les espaces, en faisant une, deux brides, une maille en l'air, deux brides, et une maille en l'air de séparation pour attaquer le motif suivant. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Arrivé ici à la fin du rang, vous n'oubliez pas de faire votre maille en l'air avant de faire la maille coulée. Voilà où nous en sommes. Donc une fois en fin de rang, vous allez venir rejoindre cet espace en faisant des mailles coulées. Donc une première et une seconde. Là, vous allez faire une, deux mailles en l'air, trois, quatre mailles en l'air et une bride dans le même espace. Vous allez venir faire une bride dans l'espace suivant et deux mailles en l'air et une bride. Donc maintenant, chaque fois que vous avez un espace, vous allez faire une bride, deux mailles en l'air et une bride. Un espace, ce qui veut dire une bride, deux mailles en l'air et une bride. Allez, on fait comme ça jusqu'à la fin du rang. À de suite. Et bien voilà, quand vous arrivez en fin de rang, ici, vous faites votre maille coulée. Maintenant, nous allons venir ici, par à l'intérieur du V, par une maille coulée. Et là, nous allons faire 8 brides. Donc on commence par faire une, deux mailles en l'air et là à l'intérieur on va faire nos 8 brides. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 et 8. À présent, nous allons sauter cet espace. Nous venons dans celui-ci et nous faisons pareil 8 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, pareil, on saute cet espace, on va dans le suivant, dans le V, hein. Pas quand ça part, quand ça fait une pointe, mais dans les V. Et là, vous refaites vos 8 brides. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Donc, on va se retrouver en fin de rang. Et bien voilà, quand vous arrivez en bout de rang, ici, vous allez faire votre maille coulée. Voilà où nous en sommes. On continue. À présent, nous allons faire un rang essentiellement de mailles en l'air. Donc ici, vous venez par-dessous faire une maille serrée. Et là, vous faites 1, 2, 3, 4,
5 mailles en l'air. Au milieu, vous venez piquer et faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ici, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous venez au milieu et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ici, une maille serrée. Et on va continuer comme ça sur la totalité du rang. Allez, à de suite. Et donc, en fin de rang, vous venez ici faire votre maille. Pardon. Ici, faire votre maille serrée. Et maintenant, nous allons devoir remonter jusque là. Donc, tout simplement, en faisant des mailles coulées tout le long de la chaînette. Donc, le problème, c'est que la laine se dédouble. Donc, il va falloir y aller doucement. Voilà. On y est presque. Et voilà, nous y sommes à présent. Et pas tout à fait. Elle est récalcitrante. Donc, on y retourne. Est-ce qu'on y est? On y est. Allez, on fait une maille en l'air. Et maintenant, on va entamer le rang suivant. Donc à partir de là, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. On va venir ici dans la pointe et on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici dans la pointe et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, dans la pointe, une maille serrée. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et voilà, quand vous arrivez en fin de rang, vous allez venir faire ici, dans la pointe, votre maille coulée. Et maintenant, nous allons passer donc du cercle au carré. Donc, lorsque nous sommes ici, on vient rejoindre le grand espace par une maille serrée. Et maintenant, nous allons faire une maille en l'air. Et là, nous allons commencer, celle-ci ne comptera pas, nous allons commencer à faire donc 8 demi-brides. Donc, une. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je suis désolée, je vais aller un petit peu vite vu que ce sont les mêmes mailles chaque fois. Si vous avez des difficultés, il vous suffira de ralentir un petit peu la vidéo à 0,75 par exemple, ça sera beaucoup plus, peut-être plus simple. Sur l'espace suivant, nous allons faire 8 brides. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 et 8 brides. Sur l'espace suivant, nous allons faire 6 doubles brides. C'est-à-dire que vous allez faire 2 boucles sur le crochet. Donc, une première. Deux. Trois.
4, 5 et 6. Vous faites 2 mailles en l'air et là vous allez recommencer. Vous refaites 6 doubles brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, vous les positionnez correctement puisque ça, c'est l'angle maintenant. Voilà. Vous voyez, là, vous êtes en train de créer l'angle ici. Allez, on est reparti. Donc, on se met comme ceci à présent. Et là, dans cet espace, ça va être 8 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, ici au centre, nous allons faire 8 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, nous devons travailler de façon symétrique. C'est-à-dire que là, nous avons fait des brides. Donc ici, ça va être des brides. Ici, nous avons fait des doubles brides, 6 doubles brides. 2 mailles en l'air, 6 doubles brides. Et bien, c'est ce qu'on va retrouver ici pour l'angle. D'accord? Allez. Donc ici, nous partons sur 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, maintenant, nous allons attaquer l'angle qui se compose de 6 doubles brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on le remet un petit peu à sa place. Ici, 2 mailles en l'air, 1 et 2. On tourne le travail. Vous voyez comme l'angle est en train de le carré est en train de se former. Et bien là, on part pour 6 doubles brides encore une fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, comme le côté précédent, alors on les installe bien, on les met bien. Et là donc, comme le côté précédent, ce côté-là, on va faire. Vous allez faire, c'est à vous à présent. Ici, 8 brides, 8 demi-brides, 8 brides, un angle. Et vous recommencez, 8 brides, 8 demi-brides, 8 brides, un angle. Et il vous manquera plus qu'à faire ici, donc
vos brides. D'accord? Eh bien, écoutez, on se retrouve quand le carré est fait. À de suite. Donc, quand vous arrivez en fin de rang, vous venez faire ici votre maille coulée. À présent, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir piquer dans l'espace. On va faire un tout petit coup de retour. Vous voyez ici, hop, on vient faire ici une maille en l'air. Et là, nous allons faire une, deux, trois mailles en l'air. Vous passez une, deux, trois, quatre demi-brides. Et dans celle du... Attendez, je vous dis des bêtises. Voilà, oui, 4 demi-brides. Donc 4 mailles en l'air, pardon. Vous passez 4 demi-brides et là, vous venez faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Vous passez 4 brides et au centre, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, ici, une maille serrée. Toutes les 4, hein, chaque vous avez des petits paquets de 4, vous faites votre maille serrée. Sauf ici, vous allez faire 1, 2, 3, vous en passez 3 et vous faites votre maille serrée. 1, 2, 3, et vous faites une maille serrée. Ici, vous allez faire une, deux mailles en l'air. Là, vous refaites une maille serrée. Et c'est reparti. Une, deux, trois. Trois doubles brides, on fait une maille serrée. Une, deux, trois. Après les trois doubles brides, une maille serrée. Et là, ça va être les paquets de quatre. Une, deux, trois, quatre. Vous passez 4 brides au milieu, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. 4 brides, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. 4 demi-brides, une maille serrée. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Chaque fois que vous êtes sur les paquets de 8, vous divisez par 2. Quand vous êtes sur les paquets de 6, vous divisez par 2. Et vous faites dans les angles 2 mailles en l'air. D'accord? On fait jusqu'à notre dernier angle et le reste, ça sera pour vous toute seule. Allez, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4. Je passe 4 demi-brides. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je passe 4 brides, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je passe 4 brides, une maille serrée. 1, 2, 3. Puisque je suis sur un paquet de 6, donc ici au centre, une maille serrée. 1, 2, 3. Ici, une maille serrée. Dans l'angle, j'en fais que 2. Et là, on recommence. Une maille serrée, 1, 2, 3, 3 doubles brides au centre, une maille serrée, et ainsi de suite, 3 mailles en l'air, ici une maille serrée, 4 mailles en l'air, paquet de 4, une maille serrée, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang, à de suite. À présent, quand vous arrivez à la fin du rang, ici vous faites 1, 2, 3, 4 et là vous venez faire votre maille coulée. Là voilà. Maintenant ici vous faites une maille coulée et une maille serrée et vous allez faire deux mailles en l'air. À présent, dans chaque espace, vous ferez 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Je passe au suivant. 1, 2 et 3.
Je passe au suivant. Une, deux et trois. Je passe à l'espace suivant. Une, deux et trois. Et je passe à l'espace suivant. Une, deux, trois. À l'espace suivant, une, deux, trois. Et dans le tout petit espace de l'angle, je fais exactement la même chose. Je fais donc une, deux, trois, deux mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage et je viens recommencer. Donc, une, deux et trois. Et ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin du rang. Dans chaque espace, vous ferez trois brides et dans les angles, trois brides, deux mailles en l'air, trois brides. D'accord? Eh bien, écoutez, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, en fin de rang, nous allons faire à présent ici notre maille coulée. Si elle veut bien se laisser faire, voilà. Là, voilà. Là, on va venir remonter le long des trois brides pour atterrir ici. Donc, vous arrivez ici entre les lots de trois brides. Vous allez faire une, deux, trois mailles en l'air, une double bride que vous venez piquer ici. Et donc, vous faites votre double bride comme ceci. Maintenant, une, deux, trois mailles en l'air. Vous allez faire dans chaque espace deux doubles brides. Donc, ici, la première. Vous ne les fermez pas. Hein? La deuxième. Et là, on ferme tout ensemble. Comme ceci. Une, deux, trois mailles en l'air. Et on recommence dans l'espace suivant. Une double bride. On ne la ferme pas. Une double bride. Et là, on ferme tout ensemble. Et on continue. Une, deux, trois mailles en l'air. Une double bride. On ne la ferme pas. Une double bride. Et là, on ferme tout ensemble. On continue comme ça jusqu'à l'angle. Donc, une, deux, trois. Une double bride. Qu'on ne ferme pas. Une, deux, une double bride, on ferme tout ensemble. Une, deux, trois mailles en l'air. Ici, on fait une double bride qu'on ne ferme pas. Une double bride et on ferme tout ensemble. Une, deux, trois. Maintenant, nous allons arriver dans l'angle. Ici, nous allons faire une double bride qu'on ne ferme pas. Une double bride. On ferme tout ensemble. Une, deux et trois. Et on recommence. Une, deux, double bride, toujours dans l'angle, hein, qu'on ne ferme pas. Une, deux, donc une double bride. Et on ferme tout ensemble. Et là, vous repartez comme ça sur la globalité du rang. Et quand vous êtes dans les angles, vous faites deux doubles brides, deux mailles en l'air, deux doubles brides. Et c'est reparti avec des trois mailles en l'air, une double bride, trois mailles en l'air, une double bride, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Allez, on se retrouve en fin de rang. Donc, quand vous arrivez en fin de rang, vous venez faire ici votre maille coulée. Et voilà. À quoi ça ressemble ?
Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir faire une maille serrée, une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air, et là, vous venez piquer ici. Une maille serrée, une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air, et là, vous venez piquer ici. Une maille serrée, une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air, et vous venez piquer ici. On continue comme ça jusqu'à l'angle. Une, deux, trois, quatre, cinq. On vient. Non, là, il y en a six. Voilà. Ici, on fait notre maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ici, notre maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ici, notre maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et pareil, vous faites ici votre maille serrée. D'accord? Donc, on fait tout le tour. Tout le tour de l'ouvrage, un rang entier en faisant 5 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée sur la globalité de l'ouvrage. On se retrouve à la fin de l'ouvrage. Donc voilà, nous sommes en fin de rang et nous venons ici rejoindre avec une maille coulée. Donc nous allons ici faire une maille serrée, une, deux mailles en l'air, et là nous allons faire des lots de 4 brides. Une, deux, trois et quatre. On passe à l'espace suivant. Une, deux, 3 et 4. On passe à l'espace suivant. Une, deux, 3 et 4. Et comme ça, on va aller jusqu'ici dans l'angle. On se retrouve dans l'angle. Donc ici dans l'angle, nous faisons une, deux, oups, trois, quatre, une, deux, trois mailles en l'air et on repart sur quatre brides. Une, deux, trois et quatre. Donc, ceci est le motif de l'angle. Quatre brides, trois mailles en l'air, quatre brides. Et quatre brides dans chaque espace. Donc, on se retrouve ici à la fin du rang. À de suite. Donc à présent, ce que nous allons faire, c'est venir ici fermer le rang par une maille coulée. Vous faites votre, on a fait notre maille coulée. Ici, on vient faire une, deux mailles en l'air. Dans la même, on fait une bride, une maille en l'air. On saute une maille et on fait une bride. On saute une maille et on fait une bride. On fait une maille en l'air à chaque fois. Ici, une maille en l'air, on saute une maille, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, une bride. Et comme ça, jusqu'à l'angle, on se retrouve à l'angle. À de suite. Donc, quand vous êtes dans l'angle, vous faites une maille en l'air, une bride, deux mailles en l'air,
une bride, une maille en l'air et vous recommencez. Vous reprenez là, une bride, une maille en l'air, vous sautez une maille, une bride, une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc dans l'angle, vous faites une bride, une maille en l'air, deux mailles en l'air, une bride, une maille en l'air. D'accord? Allez, on se retrouve à la fin du rang. À de suite. Donc voilà, une fois que nous avons fini le rang, on va venir faire ici une, deux mailles en l'air. Dans le même, on fait une bride, une maille en l'air et on va venir ici en plein milieu faire une bride, une maille en l'air. En plein milieu, on fait une bride, une maille en l'air. En plein milieu, on fait une bride. On fait comme ça jusqu'à arriver dans l'angle. On va faire l'angle ensemble et ensuite il vous suffira de faire exactement la même chose jusqu'à la fin du rang. Donc voyez, là il n'y a rien de compliqué, une maille en l'air, une bride entre les espaces, voilà, on a bientôt fini le carré, il manque que quelques rangs. Donc bien sûr, ça dépend aussi de votre taille. Hein. Si vous n'êtes pas très grande, eh ben, vous pouvez vous arrêter là. Si vous êtes beaucoup plus grande, eh ben, il faudra faire quelques rangs supplémentaires. Donc on arrive dans l'angle. Ici, on continue. Donc on a cette configuration dans l'angle. Donc ici, une maille en l'air. Dans l'espace, une bride. Ici, vous venez faire... Pardon, excusez-moi. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans l'autre. D'accord? Alors, regardez avec quoi vous vous retrouvez dans l'angle. Vous avez ici la continuité et là, vous avez... Voilà. Et bien maintenant, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air, une bride et vous devrez faire exactement pareil que nous venons de faire dans les trois angles qui arrivent. D'accord? Allez, on se retrouve à la fin du rang. À de suite. Donc voilà, une fois que nous arrivons à la fin du rang, on fait donc ici notre maille en l'air, ici notre maille coulée. Et à présent, on va venir faire une maille coulée pour venir arriver dans le premier espace. Vous faites une maille en l'air et à l'intérieur de cet espace, vous allez faire deux demi-brides. D'accord? Dans l'espace d'après, deux demi-brides. Et comme ça, dans tous les espaces, vous allez les remplir de deux demi-brides. Une et deux. Une et deux. Une et deux. Eh bien, écoutez, on va se retrouver dans l'angle pour que vous puissiez, qu'on puisse travailler l'angle ensemble. D'accord? À de suite. Donc lorsque vous arrivez ici, vous voyez, ici vous avez l'angle. Donc vous allez venir faire ici vos deux brides, deux demi-brides. Donc une et deux, deux mailles en l'air. Et dans le même espace, vous refaites deux demi-brides, si ça veut, mais ça veut pas. Donc on recommence. Donc, vous refaites deux demi-brides, une et deux. Là, nous avons recréé un angle. Eh bien, nous repartons sur tous les côtés de la même façon. Donc, deux demi-brides,
dans chaque espace et dans les angles de demi-brique, de maille en l'air de demi-brique. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. Donc voilà, une fois que nous avons fini ici le rang, on vient faire la maille coulée. On va venir en maille coulée jusqu'ici, d'accord? Et là, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, pardon, et une bride. On va faire exactement la même chose en sautant. 1, 2 petits paquets de 2 demi-brides, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Vous sautez 2 petits paquets de demi-brides dessous et là vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et on fait comme ça jusqu'ici, jusqu'à l'angle. On se retrouve à l'angle. Quand vous arrivez dans l'angle, vous venez faire exactement pareil. Ici, vous faites votre bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et là, vous recommencez. Vous refaites exactement au même endroit, une bride, 2 mailles en l'air, et vous venez piocher ici au même endroit votre bride. Voilà à quoi ressemble votre angle. D'accord? Donc la bride, les 2 mailles en l'air, la bride. Et vous repartez avec une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et à présent, vous repassez 1, 2 petits paquets de demi-bride et vous venez faire dans l'espace une bride, 2 mailles en l'air et une bride. D'accord? Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Hein, on fait comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve en fin de rang. Allez, à de suite. Donc voilà, nous arrivons ici en fin de rang. On vient faire la maille coulée ici. Là, on fait une autre maille coulée pour rejoindre le V ici. Et on va repartir sur 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride à l'intérieur du V. Hein, toujours pareil. Et là, vous allez faire dans tous les V, pareil, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Dans le V suivant, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Allez, on fait comme ça et on se retrouve dans l'angle pour que nous fassions l'angle ensemble. À de suite. Donc, une fois que vous arrivez dans l'angle, vous venez faire dans l'espace ici votre bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une bride, pardon. Là, vous avez fait, voyez, vous avez vos deux brides, et bien à l'intérieur, vous venez faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et vous faites exactement pareil dans le V suivant. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Alors, je vous montre ce que ça donne dans l'angle. Voilà, vous voyez là, vous avez l'angle. Allez, on continue. Eh bien, on fait comme ça jusqu'à la fin du rang. Dans chaque V, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride.
Et donc dans l'angle, vous ferez exactement pareil. Hein, là, vous faites dans le V, un V, dans le V de l'angle, un V, et dans le V d'après, un V. Allez, on se retrouve en fin de rang. Bien voilà, quand nous arrivons ici en fin de rang, on va venir faire la maille coulée. Et à présent, nous avons fini notre carré. Il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils. On se retrouve une fois que les fils sont rentrés. Alors, bien évidemment, comme c'est un poncho, il va falloir l'assembler. Faire d'abord 4 carrés comme celui-ci et l'assembler. Pour l'assembler, ça ne va pas être compliqué. Vous allez mettre de cette façon le premier carré. Donc ici, vous avez le cercle, vous avez, voilà. Et ici, vous allez venir mettre le second carré. Et ici, vous allez mettre le troisième carré. Donc, pour assembler les carrés, vous allez venir dans un angle. Et vous allez faire tout simplement des mailles serrées dans les espaces. Donc, quand vous voyez un espace, vous venez faire une maille serrée. Ici, vous voyez, c'est un petit peu plus large. Donc, vous en faites deux. Donc, une et deux. Ici, vous avez un espace, vous faites une maille serrée. Ici, un espace un petit peu plus grand, vous en faites deux. Donc, une et deux. Et comme ça, sur la globalité des longueurs que vous avez à assembler. Donc, on va commencer par assembler nos trois premiers carrés. Et ensuite, on assemblera le dernier. Allez, à de suite. Donc voilà, je vais vous détailler comment monter votre poncho. Ici, vous avez votre premier carré. Ici, vous allez mettre et coudre comme ceci votre second carré. Ici, vous coudrez le troisième. D'accord ? Une fois que vous aurez cousu ici, vous allez prendre celui-ci, le plier en deux. Vous allez prendre celui-ci, le plier en deux. D'accord? Et le dernier carré, vous viendrez le poser comme ceci. Et vous coudrez ici et là. D'accord? Vos deux autres carrés. Donc, en fait, vous allez vous retrouver avec cette configuration. Vous avez de toute façon dans mes vidéos, une vidéo spéciale qui vous explique comment monter un poncho, comment faire une capuche. Eh bien, on va monter, là maintenant nous avons monté déjà les trois premiers. Eh bien maintenant, il ne reste plus qu'à monter le dernier. Allez, on se retrouve une fois que la totalité des carrés sont montés en poncho. À de suite. Une fois que vous avez assemblé vos 4 carrés, on va venir faire une petite bordure. Donc, on va se mettre sous le bras à l'arrière. Sous le bras, c'est-à-dire que celui qui est plié hein, sur l'épaule, vous mettez derrière et là où il y a la couture. Donc, ici, vous allez venir vous mettre dans la couture. Vous venez faire au même endroit une maille serrée. Et là, vous faites une, deux, trois mailles en l'air. Avant le V, vous faites une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Après le V, une maille serrée.
Une, deux, trois mailles en l'air. Après lever, une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Après lever, une maille serrée. Et vous allez faire comme ça sur la globalité de l'ouvrage. Ce ne sont que des V hein, que vous avez fait. Donc chaque fois, une, deux, trois mailles en l'air. Après lever, une maille serrée. On se retrouve dans les angles pour amorcer les angles ensemble. D'accord? À de suite. Donc, quand vous arrivez dans l'angle ici, que vous avez fait votre maille serrée, vous faites une, deux, trois mailles en l'air. Et là, vous allez venir piquer quand même dans l'angle, faire votre maille serrée. Et maintenant, vous allez repartir. Une, deux, trois mailles en l'air. Après lever, vous faites votre maille serrée. D'accord? Et bien, c'est reparti. Une, deux, trois mailles en l'air. Après lever, une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Après lever, une maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Et bien voilà, une fois que nous avons fini le tour du rang, on vient ici faire notre maille coulée. On va fermer et on va rentrer le fil. Hein, on se retrouve après. Voilà, une fois que vous avez rentré votre fil, on va venir reprendre du fil noir. Bien évidemment, hein, nous sommes d'accord sur le fait que ça, c'est ce que je fais moi. Vous, au niveau de vos goûts, ce sera certainement différent. D'accord? Donc ici, nous allons venir faire dans chaque espace trois demi-brides. Donc on fait deux mailles en l'air et on vient faire une, deux et trois demi-brides. On va même en faire une quatrième pour que ce soit plus esthétique. Allez, on continue comme ça sur la totalité. D'accord, du poncho, une, deux, trois et quatre. Et dans chaque espace, on vient faire nos quatre, une, deux, trois et quatre. D'accord? Eh bien, écoutez, on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, une fois que vous arrivez dans l'angle, vous venez faire ici, non pas 4, mais 1, 2, 3 demi-brides. Dans l'angle par lui-même, vous faites 1, 2, 3 demi-brides, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides, 1, 2, 3 demi-brides et vous repartez avec 3 demi-brides dans la suivante, 2 et 3. Une fois que votre angle a été recréé, vous pouvez enfin repartir sur 4 demi-brides par espace. D'accord? Et vous ferez pareil dans l'angle suivant. Et on se retrouve donc en fin de rang. Allez, à tout de suite. Donc, lorsque vous arrivez ici en fin de rang, vous venez faire votre maille coulée. Vous venez fermer votre travail. Et bien évidemment, vous rentrerez les fils. Alors là, vous avez plusieurs choix. Soit vous laissez comme ça. Certains ne veulent pas de franges, certains ne veulent pas de fioritures. Soit vous faites des franges. Donc, dans chaque espace au-dessus des petits picots, là comme ça, vous allez faire des franges. D'accord? Ou encore, vous avez la possibilité de faire... Alors,
ici vous venez attraper votre fil, vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et là vous venez faire dans la racine ici 1, 2, 3 et 4 brides. Vous venez ensuite piquer ici. Vous faites votre maille serrée. Et là maintenant, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous allez faire exactement pareil. Là, vous allez faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Vous venez piquer ici et vous faites votre maille serrée. Voilà, et vous voyez, ça vous fait une petite finition. Donc en fait, c'est à vous de choisir de la façon dont vous allez finir votre poncho, soit par des franges, soit avec rien du tout, soit par cette petite bordure. D'accord ? Eh bien écoutez, on va se retrouver en fin de rang, ici. On fait le tour du poncho et on se retrouve ici. À de suite. Et voilà, une fois que vous avez fini votre bordure, vous pouvez aussi très bien venir accrocher ici au bout des petites franges ou le laisser comme ça. Mais écoutez, c'est à vous de voir. Je vous mets ici la photo du poncho fini. J'espère que ce petit ouvrage vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Gros bisous, à très vite.